I smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell a feeling. Then nothing got it feel like a sleep night. No waiting for you, but don't hurry, oh sorry. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fell into my life. Let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I want none? Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Retour de course. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, à la base, je suis partie acheter quelques trucs. Deux à trois choses et après voilà je suis sortie avec les courses et voilà comme pas possible. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et pourquoi j'ai acheté. Voilà, donc pour commencer je vais vous montrer les œufs. Vous voyez, donc là j'ai acheté des œufs parce que les œufs j'en avais plus. Du coup j'ai acheté des œufs normales, donc ça il n'y a rien de spécial. Mais regardez-moi ça, il y a un œuf qui est cassé je pense. Voilà, donc j'étais pressée, j'ai vu quand je suis sortie, quand je rangeais mes courses dans la voiture, c'est là que je me suis aperçue qu'il y a un œuf qui est cassé. Du coup, je ne pouvais pas y retourner parce que j'étais en retard pour aller chercher les enfants. Du coup, j'ai laissé tomber, je me suis dit ça, c'est un œuf seulement, donc c'est pas méchant, c'est pas très grave. Donc voilà, donc oui, effectivement, c'est un œuf qui est cassé. C'est un seul qui est cassé. C'est pas grave. Donc voilà. Donc j'ai pas pu aller changer. Donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Donc et après, donc ça je vais ranger comme ça. Je vais les mettre là. Il me restait pas beaucoup d'œufs. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup. Et arrivé à la maison, en fait, mon mari... en fait, nous, on a des poules. On a des poules, du coup, ça faisait un moment qu'on ne ramassait plus les œufs. Et là, aujourd'hui, en fait, mon mari, il a préparé les aliments des poules. Il a mixé, vous voyez, c'est le bol du mixeur. Il a mixé dans ça, du coup, il est parti les faire manger. Et... il a retrouvé des œufs. Regardez-moi ça. Franchement, ça, c'est magnifique. En plus, ça, c'est des œufs, on va dire bio, hein, parce que c'est presque bio. Voilà, donc moi, je suis très contente. Donc, je vais faire des gâteaux. Je vais faire beaucoup de choses avec, comme j'ai déjà pris beaucoup. Donc, je vais faire... il faut que je trouve une recette pour consommer tout ça. Voilà, voilà. Donc, on va continuer par le retour. Là, j'ai décidé de commencer par les gros, les courses qui sont encombrants. Comme ça, j'ai la place pour vous montrer le reste des courses. Voilà, donc j'ai pris ça. Ça, c'est des papiers toilettes. Là, j'ai acheté parce que j'en avais plus à la maison. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup comme ça. Alors, et ça, c'était une bonne affaire. Donc, ça, c'est des sopalins. J'en ai 8. Donc, c'était 6 et plus 2 offerts. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un gros pack comme ça. Je les ai eu à combien les sopalins? Je les ai eu à 7,89 €. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, à 7,89 €. Voilà. Donc, ça aussi, c'était une bonne affaire. En plus, ils sont épais. Je les aime bien. Ils sont épais. La feuille, franchement, elle est très bien. C'est pour ça que j'ai pris comme ça. Voilà. Je vais les mettre à côté, là. Comme ça, on gagne de la place. Donc, ça, les pommes de terre. À la base, je suis partie prendre quelques pommes de terre pour faire les chips pour mon fils.
Je voulais tester les chips maison parce que mon fils, il aime les chips. Du coup, je me suis dit, je vais acheter quelques pommes de terre pour lui faire des chips maison. Sauf qu'à la maison, je n'avais pas des pommes de terre. Et moi, j'ai l'habitude de prendre les pommes de terre au marché. Du coup, j'ai vu ça. En fait, pour acheter ça comme ça, à la base, je ne voulais pas prendre ça. C'est parce que, en fait, si j'allais prendre 1 kilo ou 500 grammes, j'allais perdre, en fait. C'est pour ça que j'ai pris un sac, un gros sac. Voilà. Donc, je les ai payés, on va dire 6 euros. Ah oui, c'est cher quand même, hein. Ah, moi, j'avais vu, c'était 3 euros et quelques. Ah oui, c'est cher, hein. Voilà, bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, je les ai payés 6 euros. Un sac de 5 kilos. Voilà, donc 6 euros. Après, les oignons, j'en avais besoin, j'en avais plus. Du coup, les oignons, je les ai payés combien? Les os, je les ai payés 4 euros. Hein. 3,99 euros. Pour moi, c'est 4 euros. C'est 5 kilos quand même, donc ça vaut le coup. Donc ça aussi, c'était une bonne affaire. J'ai sauté dessus parce que je sais, mes enfants, ils prennent ça pour le goûter et pour le desservir de temps en temps. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup comme ça. Donc je vais les mettre de côté aussi. Magasin, en fait, on dirait qu'il y a... il y a la guerre, en fait. C'était comme, vous voyez, au début, quand il y avait le Covid, la première vague, tout le monde se ruait sur des choses, sur la farine. Au début, c'était la farine, des œufs, des pâtes. Mais là, c'est l'huile et la farine aussi. La farine aussi, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça, moi, ce que j'ai fait, je suis partie chez l'Asiatique, dans un magasin asiatique. Donc, j'ai pris ça, un gros sac. J'avais arrêté d'acheter des sacs comme ça. Mais je me suis dit, on sait jamais parce que tout le monde fait des stocks. Du coup, voilà. Donc, j'ai pris un gros sac comme ça. J'avais du riz. Mais j'ai pris un gros sac comme ça. C'est 20 kilos. Voilà, c'est 20 kilos. Donc, je l'ai eu. Il est cher aussi. Hein. Vous savez, au début, on l'achetait à 40 euros comme ça. 40 euros. Hein. En tout cas, moins de 40 euros. Mais là, franchement, le prix, il était à 47,90. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. 47,90, franchement, l'augmentation, bonjour. Hein. Là, c'est pas facile. Donc, mais bon, est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. On va faire avec. Tant pis. Donc, ça aussi, je vais vous mettre. L'Asiatique, je suis partie. Prendre ça. Ça, c'est le poisson. C'est le poisson capitaine. Bien, en fait, tous les vendredis, chez le magasin asiatique, ils font une promotion. Du coup, ils nous renvoient des messages. Donc là, il y avait ça. Du coup, je suis partie prendre parce que ça part très vite. Quand ils font les promotions sur les poissons capitaines, ça part très, très vite. Donc, je suis partie acheter le poisson capitaine. Et je ne vous dis pas là. Après, j'ai pris autre chose. Hein. Voilà. Donc, c'est 5 kilos normalement. C'est 5 kilos à 19 euros. On va dire 20 euros. Allez, 20 euros. Voilà, donc c'est là. À 20 euros en fait. Franchement, c'est une bonne affaire. Ça vaut le coup. Voilà. Donc, regardez comment ça se présente. C'est des gros poissons comme ça, en plus c'est très bon. En plus, c'est des poissons que vous pouvez même frire. Ça colle pas, hein. Ça colle pas, c'est très bien et c'est bon aussi. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'en ai combien? Je vais vous montrer comment ça se présente. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez. Voilà, donc j'en ai 3, 7. Franchement, 7 poissons, des gros comme ça, pour 20 euros, franchement, ça vaut le coup. Donc là, après, je vais mettre au congélateur. Donc,
Voilà. Donc, je pense que si je vous ferai une recette, comment on prépare en fait, pour capter mon aussi. Voilà, donc ça aussi, je vais mettre de côté. Après, on se retrouve pour tout à l'heure avec la deuxième partie des courses. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie. Là aussi, c'est mélangé. Il y a des courses que j'ai achetées à Auchan et les autres chez le magasin asiatique. Donc là, c'est des bananes plantées. Je les ai achetées dans le magasin asiatique. Ça m'a coûté 5,17 €. Là, pour les bananes plantées. Alors, et j'ai acheté deux boules de sakasaka, donc les feuilles de manioc. Voilà, je les ai achetées 2,60 €. Donc, une boule, c'était à 1,30 €. C'était à 1,30 €. Voilà. On va les mettre de côté. J'ai acheté deux boules comme ça, d'attiéké. Franchement, ça, c'est des choses que j'ai commencé à manger il n'y a pas longtemps. Et j'aime bien. En fait, avant, je ne savais pas cuisiner. Mais j'ai regardé sur YouTube. Et j'ai vu une recette. Et après, donc, c'est bon. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, maintenant, je ne m'en passe plus. Voilà. Vous le voyez. J'en ai pris 4. C'était à 1 €. Donc, 4 €. Voilà. Donc, j'ai acheté l'huile rouge à ma Mamesa. Alors, c'était à 3,79 €. Voilà. Et j'ai acheté les piments végétariens aussi. C'était à 3,99 €. À peu près 4 €. Hein. Voilà, botte de menthe. Et j'ai pris les feuilles de brique pour faire les nems et les samoussas. Je les ai achetées 2,79 €. Voilà. Donc, ce que j'ai pris dans le magasin asiatique, c'est fini. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Auchan. Franchement, c'était même pas prévu. Voilà, donc je vais faire du stock. Voilà, donc pour commencer, j'ai acheté ça, des steaks. Voilà, donc normal. Alors, les steaks, je les ai eu à combien? En fait, ça, j'aime bien parce que là, les enfants, ils vont être en vacances 2 semaines et moi, je vais travailler parce que, en fait, j'ai une semaine de vacances avant les vacances scolaires. Du coup, les enfants seront à la maison avec mon mari et moi, je serai au travail. Du coup, donc, quand j'aurai pas le temps de cuisiner, donc ça c'est vite fait. Franchement, c'est rapide. C'est rapide avec des brocolis, des frites. Franchement, ça passe. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Comme ça, ça va me dépanner. Ça va me servir pendant les vacances. Voilà. Comme les enfants seront à la maison, ça va me dépanner. Ça va me servir. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. Je les ai achetés à combien? C'est 2,49 €. Alors, pour continuer, j'ai acheté les boulettes aussi. C'est la même continuité. Hein. En fait, c'est des choses qui aident et qui facilitent la vie. Comme je vais retourner au travail, donc demain je reprends le travail. Aujourd'hui on est vendredi, donc demain je reprends le travail. Donc voilà, donc ça aussi ça va me faciliter la tâche quand j'aurai pas le temps de cuisiner. Donc ça c'est vite fait, mon mari il pourra faire aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Les boulettes, je les ai achetées à 6,81 €. Voilà, et j'ai pris les 10 saumons congelés aussi. Alors, saumon congelé, j'ai deux tranches comme ça. Ça, c'est plus pour les enfants. C'est plus pour les enfants. Parce que les enfants, c'est pas évident de les faire manger le poisson que je viens de vous montrer. Du coup, ça, c'est bien, c'est très bien pour les enfants. Donc, alors, pavé de saumon, je les ai achetés à 4 €, on va dire 5 €. Moi, j'aime pas les 99, c'est de l'arnaque, c'est pas vrai, 1 centime, franchement. Allez, 5 €, je les ai achetés, des tranches. Alors, j'ai acheté ça, escalope de dinde aussi, voilà, à 5,95 €. Voilà, donc 720 grammes. Voilà, après j'ai acheté les épinards,
normal. Je les ai achetés à 1 euro. Hein. Les 2 euros. Voilà, c'est des épinards surgelés. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est des épinards surgelés. À 2 euros, je les ai eus. Et j'ai acheté ça. Les saucisses, en fait, à la base, je suis partie à Auchan pour acheter pas grand-chose. Je voulais acheter les saucisses pour faire les hot dogs maison. Après, j'ai acheté ça. En fait, ça, c'est pour faire les samoussas, plutôt les samoussas ou les bolognaises, la sauce bolognaise. Donc, je les ai achetés. Ils étaient en promotion, moins 30%. Après, j'ai acheté ça, les carottes. Et après, j'ai acheté... Ça, c'est pour mon fils, en fait. Normalement, mon fils, il mange comme nous. Mais en fait, quand il est fatigué, quand on n'a pas quelque chose qui est déjà prêt, du coup, je lui donne ça. Comme ça, c'est rapide, c'est vite fait. Et voilà, et on n'en parle plus. Du coup, je lui ai pris ça. Sinon, il mange comme nous, on mange la même nourriture. Mais ça, j'aime avoir à la maison, au cas où, en fait, au cas où je sors ou au cas où je n'ai pas envie de cuisiner. Comme ça, il peut manger ça. Voilà, voilà. Donc, après, je lui ai acheté ça, les céréales, deux boîtes comme ça. Céréales, ça coûtait 4 euros. 4 euros et 9 centimes. Deux boîtes comme ça. Une salade batavia normale. Et après, j'ai acheté ça, la moutarde, à 1 euro 19 centimes. Voilà, donc après, voilà, ça. Regardez-moi ça, comment j'ai dévalisé au champ. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez. J'en ai 10 bouteilles comme ça, en fait. Ce n'est pas que pour moi, en fait. Moi, j'en ai 5. J'en ai 5. Les autres, j'ai pris pour ma copine. Voilà, voilà. Donc, en fait, on est parti à Lidl. Non, à Aldi. Il n'y en avait plus d'eau, d'huile. Il n'y avait rien du tout. Il y avait l'huile pour la friture. C'était 2 litres à 4,29 €. C'était trop cher. Du coup, moi, je me suis dit, je laisse tomber, j'achète pas à Lidl. Après, je suis partie à Auchan. Donc, à Auchan, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est l'huile de tournesol. Normal. Il était... Donc, une bouteille, on va dire 2 euros. C'était à 1,98 €. Voilà, donc j'ai acheté 10 bouteilles pour moi, 5 pour moi et 5 pour ma copine. Et la farine, j'ai acheté 5 aussi, c'est pas pour moi, c'est pour ma copine. Elle en avait besoin, elle fait beaucoup de gâteaux, elle fait beaucoup de pâtisseries, donc c'est pour ça qu'elle prend beaucoup, elle fait des commandes, donc c'est pour ça qu'elle a acheté beaucoup d'huile aussi. Voilà, voilà, donc c'est fini pour le retour de course, c'est fini. Voilà tout ce que j'ai acheté. En gros, j'ai fait un stock. Ça va m'aider. Comme je vais reprendre le travail, ça va m'aider aussi. Voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que oui, il y a beaucoup de recettes qui arrivent. Donc, tout ça que j'ai acheté, je vais essayer de vous faire des recettes. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé de faire des vidéos sur les recettes. Donc, il y aura beaucoup de recettes qui vont venir. Donc voilà, voilà, restez connectés. On se retrouve derrière pour faire ensemble les chips maison. Donc là, j'avais épluché et lavé les pommes de terre. Donc je vais venir les couper finement. J'ai voulu essayer avec mon râpe à légumes, mais ça n'a pas marché. Après, je vais venir les sécher dans un torchon sec. Donc si vous avez du temps, vous pouvez les laisser sécher à l'air libre. À côté, j'ai commencé à préchauffer l'huile. Après, je vais venir y déposer les pommes de terre. En gros, il faut les laisser le plus longtemps possible dans l'huile. Non plus, il ne faut pas les laisser cramer.
Donc là, mes chips sont prêtes. Je vais les retirer dans l'huile et les mettre sur un sopalin. Donc là, c'est le moment d'assaisonner. Vous mettez les épices que vous voulez. Moi, j'ai mis curcuma, du sel et du poivre. Franchement, c'était trop bon, mais je suis déçue par les pommes de terre que j'ai achetées. En plus, j'ai acheté beaucoup. Donc, comme vous voyez, ça change de couleur. Mais avec les pommes de terre que j'ai l'habitude de prendre au marché, ça ne change pas de couleur. Donc, je vais essayer la prochaine fois avec les pommes de terre que j'ai l'habitude de prendre. Mais sinon, à part ça, c'était trop bon, croustillant. Vraiment, c'était réussi. Hein. Donc, on les a accompagnés avec des sauces mayonnaise, ketchup et samouraï. Vraiment, on s'est régalé. Vous savez, vendredi, j'aime préparer des choses qui plaisent à tout le monde. Je vous le cache pas, c'est parti trop vite. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. C'est ça qui m'aide à propager mon contenu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.